Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des questions du mardi. Je vous rappelle le principe, vous m'aviez posé des questions donc soit dans les commentaires sous la vidéo, soit donc par email, soit par Facebook, et j'y réponds donc en vidéo en vous apportant le plus de détails possible. Si jamais vous avez envie de me poser une question, vous avez tous les liens dans la description pour me contacter. On va tout de suite répondre à la première question. La première question est de Hervé Badland. Quels sont, d'après toi, les trois meilleurs albums rock live? C'est une très bonne question, et là j'ai envie de te dire, est-ce que ça dépend? Est-ce que tu veux mon avis à moi en tant qu'appréciation personnelle ou en tant qu'avis critique, entre guillemets? Parce que, par exemple, trois grands disques live de l'histoire du live, je vais pas t'apprendre grand-chose, mais voilà, Bruce Springsteen, ce coffret-là, voilà, vu ton pseudo Hervé Badland. Badland, voilà, je sais très bien que t'es fan de Springsteen. Donc ça, par exemple, c'est un coffret qui est absolument mythique, qui fait découvrir le boss en live. Et c'est pas le seul bon live qu'il nous a fait. En fait, de toute façon, dès qu'il fait un live, c'est bon. Voilà, autre live absolument mythique des Rolling Stones, voilà, le Get There, Yeah, Yeah, Out, qui est un live mythique, quoi. C'est sans doute celui qui est réputé pour être le meilleur des Stones, alors que j'en ai écouté plein par la suite qui sont aussi très bons. Allez, en rock'n'roll, un live, par exemple, qui est aussi exceptionnel, c'est celui-là. Jerry Lee Lewis avait beau être plus à son avantage d'un point de vue commercial, il est allé à Hambourg, il a fait un de ses lives qui est réputé pour être l'un des meilleurs disques live voilà, qui est jamais paru, quoi. Ça, en fait, je veux presque dire, c'est un peu le choix critique. C'est des très bons lives que j'ai, qu'on m'avait dit qu'ils étaient très bons, et que lorsque je les ai écoutés, je me suis dit, ah bah oui, à 100%, c'est clair que c'est très très bon. Après, moi, dans mon choix personnel, j'en mettrais d'autres. Par exemple, un live que j'ai découvert en étant ado, et qui est une tuerie sans nom, c'est celui-ci. Et quand je te dis tuerie, c'est que même Angus Young en meurt, voilà. J'adore cette pochette, en plus quand j'étais ado, c'était... Ouais, alors c'était dans les années 90, tu vois, la pochette avait déjà 20 ans. C'est un live qui est en plus super bien enregistré, donc t'as une excellente qualité de son, donc c'est une compilation de plusieurs concerts, hein. C'était enregistré dans la tournée 78, et même la version CD qui était sortie dans les années 90 avait un son de fou. J'ai un souvenir avec un pote, on écoutait ça à fond dans sa voiture avec une enceinte... voilà, de malade, et qu'est-ce qu'on prenait notre pied, t'avais l'impression d'être dans un live, quoi, t'avais un son de malade. Après, est-ce que c'est une surprise si je vous montre ce fameux Elvis, justement, le comeback de 68, voilà, la session acoustique qu'il a fait, juste arrêter de le faire briller, c'est peut-être mieux. Donc voilà, ça c'est une surprise pour personne que je montre celui-là, mais c'est vrai que j'ai limite presque redécouvert Elvis. J'avais jamais trop fait attention au fait qu'en live, c'était un tueur, enfin c'était un tueur tant qu'on le faisait pas faire le même show pendant je ne sais combien d'années de suite à Las Vegas, hein. C'est toujours pareil, si vous devez faire tous les jours la même chose, au début vous allez y mettre beaucoup d'entrain et au bout d'un moment ce sera un peu habituel. Et pourtant je trouve que vocalement il est toujours dedans, quoi. Et alors un autre live, c'est vrai que je vous parle pas beaucoup de ce groupe parce que globalement je le trouve un peu prétentieux, mais ça c'est presque pas neuf. En vous disant ça, vous devez déjà deviner si je vous parle prétention. Voilà, et ben c'est Emerson, Lake and Palmer. C'est quelque chose de très particulier, ce disque, parce que c'est les tableaux d'une exposition qu'ils ont repris donc en version rock progressif. Voilà, alors en prenant beaucoup de liberté avec la partition originale, mais en même temps le texte original, entre guillemets, est pour piano. Il y a eu des orchestrations comme celle de Ravel qui sont magnifiques, et ça a également inspiré justement plusieurs artistes dans le rock progressif ou dans le rock tout court, hein. C'était Raymond Zarek des Doors qui en a aussi fait une adaptation. Il y avait plein d'autres adaptations que je connais qui ont repris en intégrale les tableaux d'exposition. C'est vraiment un grand classique, et Emerson, Lake and Palmer le faisait en live. Alors j'adore parce que par rapport à la version vidéo, c'est une version différente où il y a d'autres fausses notes. Il y a toujours 2-3 moments où ils sont un petit peu à côté, où ils se plantent un peu, c'est un peu l'inconvénient du live. On l'entend, quand on connaît bien les disques et quand on connaît bien la version vidéo, on l'entend. Franchement, moi s'il y a un disque d'Emerson, Lake and Palmer que je devrais garder, c'est celui-là. Les autres après qui ont suivi, franchement, ça dépend des jours, ça dépend vraiment des moments, mais celui-là, sans problème. Surtout parce que je connais déjà bien la partition originale, donc j'ai aucun problème pour rentrer dedans. Voilà, ça pour moi c'est 3 lives, donc en rock and roll, en hard rock et en rock progressif,
que je conseille. Tu vois, en plus, j'ai pris, par la coïncidence fait que j'ai pris 3 disques différents. Mais le pire, c'est que si tu me redemandes ça dans un an, je vais t'en sortir d'autres, tu vois. Entre temps, des nouveaux coups de cœur, des nouveaux disques, enfin, des disques que j'avais, que j'ai ressortis également, et que je me suis dit, ah, mais ce live, il était trop bon, je sais pas pourquoi je l'ai laissé de côté, quoi. Ben, les lives des Creedence, ben voilà, je pourrais en citer plein que j'aurais pu mettre dedans, quoi. La question suivante est de Shano Music. Est-ce que tu connais le genre de musique ska et rocksteady? Si oui, quels artistes ou groupes connais-tu? Et si t'as du reggae, pourrais-tu nous montrer ta collection? Sache que mon éducation musicale dans mon adolescence s'est faite par également le reggae, parce que ma maman adorait Bob Marley. Je pense que comme tous les gens de sa génération, ils ont découvert le reggae avec Bob Marley au début des années 80. Elle avait toujours bien aimé ce style de musique, et donc on regardait plein de documentaires, donc le ska, le rocksteady. J'ai découvert un peu par des émissions justement qui expliquaient comment Bob Marley avait... Bob Marley avait synthétisé le reggae. Il n'y avait pas que lui, mais on va dire que comment le reggae a été créé, justement. Après, je n'ai pas, moi, dans ma collection des disques de ska et de rocksteady, ou du moins des vrais disques, et c'est pas ce que je recherche tous les jours, parce que c'est des disques qui sont beaucoup trop cotés pour moi, quoi. Mais après, franchement, c'est deux genres musicaux que j'écoute avec plaisir. Peut-être pas en boucle, mais j'écoute ça avec beaucoup de plaisir. Et alors, quel artiste ou groupe je connais dans ces genres-là, il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment vraiment pas grand chose que je pourrais vraiment te citer comme ça. Et si j'ai des disques de reggae, si je peux te montrer ma collection, alors j'en ai pas tant que ça. Bah, bien sûr, les Bob Marley, ceux-là je les ai tous, hein, forcément. on ne peut pas passer à côté de Bob Marley si on parle reggae, quoi. Après, j'en ai 2-3 autres, mais ça, à la rigueur, je vais une fois faire une vidéo ma collection dessus, spécifique vraiment aux disques reggae, comme ça je pourrais un peu en parler en détail et ne pas les montrer juste bêtement, quoi, si ça te va. La question suivante est de mon ami Antonio Matinas. Donc, tu demandais une petite question subsidiaire par rapport à la vidéo Les questions du mardi 22, où j'affirmais justement que les repressages ne seront souvent pas collector. Penses-tu qu'il en est de même pour les pressages colorés, sachant qu'avec les techniques actuelles, les industriels sont capables de proposer des choses sympathiques? Alors dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai dit que les pressages actuels ne seront sans doute pas collector, je parlais surtout des rééditions. C'est-à-dire quand tu fais une réédition back to black d'un pressage qui était sorti à l'époque, je ne pense pas que le back to black va devenir collector. Alors le fait qu'il soit en couleur peut rajouter quelque chose, mais... je suis pas sûr vraiment que par rapport au pressage original, il y a quelque chose de plus justement sur ce pressage couleur. Je pense plutôt que les musiques on vinyl, par exemple, auront bien plus d'intérêt, parce que là on sent qu'il y a eu un mixage fait pour le vinyle, et en plus il y a eu une remasterisation faite pour avoir la meilleure qualité sonore possible. Donc il dépasse parfois même les pressages d'époque, hein. De ce que moi j'ai découvert, il y en a certains où c'est même supérieur au pressage d'époque. Back to Black, souvent... allez, on va dire au même niveau. Il y en a certains qui sont pas bons, mais pas tous. Il y en a certains qui sont très bons. Ceux qui resteront collector, ce seront en fait tout ce qui est premier pressage, y compris par exemple les premiers pressages actuels de CD sortis dans les années 90 qui n'avaient jamais été sortis en vinyle. Ça, par exemple, oui, là, ce sera collector parce que ce sera la première édition vinyle qui a été faite par la suite. Et encore. Après, ce qui sera surtout collector, c'est en fait les albums cultes et les artistes qui resteront cultes à une période. C'est-à-dire que tout ce qui est actuellement à la mode et qui ne sera plus à la mode dans 10 ans, dans 15 ans, qui sera complètement démodé, ça n'aura aucune cote. Et même si tu as le premier pressage tricolore, par exemple, ça ne vaudra rien du tout. Alors qu'au contraire, un repressage de Bob Marley avec les couleurs vert, jaune, rouge sur le disque, comme j'ai vu le Légende de Bob Marley qui a été réédité sous ces couleurs-là, il y aura toujours une petite cote là-dessus parce que voilà, tu as un côté un peu plus insolite à ce pressage, quoi. La question suivante, un petit peu technique, est de Fabrice F. Penses-tu que j'aurai une meilleure définition sonore sur mes enceintes stéréo en passant de 1,5 à 2,5 mm de diamètre pour les câbles reliant l'ampli? Alors pour les questions techniques, je t'avouerai que je suis vraiment pas le plus fort. Les câblages, tout ça, voilà. je suis pas audiophile en principe et je me prétends pas audiophile, et ceux qui vont acheter des câbles super chers ou qui vont vraiment choisir quelque chose de spécifique pour y gagner un petit pourcentage sonore, je fais pas partie de ces gens là
Moi, enfin voilà, c'est une question de conception de la musique. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, je fais ce que je veux. Voilà. J'avais vu la réponse, mais je vais la donner pour tout le monde parce que tout le monde ne l'avait pas vue. C'est Jean-Louis Lopez qui t'avait répondu que 1,5 mm c'était déjà pas mal et que si tu passais sur 2,5 mm, tu n'entendras pas la différence. Et qu'en général, on utilisait les gros diamètres justement pour les longues distances. Voilà, donc je vais lui faire confiance et je ne vais pas pourtant dire plus. On va terminer par la question de Vinyl TV, qui je crois a également sa chaîne YouTube. Que faut-il penser des boutiques qui vendent des anciens appareils audio, tourne-disques, manche-disques, gramophones, magnétophones, etc. Les rachats et réparations sont-ils honnêtes ? Alors moi je vais vous donner une règle qui est très simple, quand vous achetez du matériel d'occasion, achetez-le de préférence du matériel qui a été revu et révisé, et avec une garantie. Le mec qui vend ça sans garantie, faites attention, c'est comme si vous l'achetiez en brocante ou à ce genre d'endroit. S'il n'y a pas eu une révision derrière et avec des factures à l'appui d'ailleurs, parce que c'est un particulier qui vous le vend qui a dit que ça a été révisé, demandez la facture. Voilà. Et si vous pouvez faire ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, te dire lesquels sont honnêtes, lesquels ne le sont pas, je pourrais pas t'en dire plus. Dans n'importe quel corps de métier, tu trouveras toujours des gens qui sont malhonnêtes, qui sont là pour faire du fric, et des gens justement qui sont là pour faire leur boulot correctement et qui ont envie de servir le client et d'aller sur le long terme. Après, les appareils comme les disques vinyles, ça a la cote qu'on a envie de lui donner. Donc le mec qui vient et qui te dit ça c'est une platine super recherchée, je te la vends à 500€. Si toi t'as pas envie de mettre 500€ pour ça, bah tu passes sur autre chose. Voilà. C'est toujours pareil, hein, c'est offre et demande. Ça marche pour tout. Pour n'importe quel domaine de collection, pour n'importe quel domaine de recherche. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Comme je te dis, s'ils ne révisent pas et ne garantissent pas, tu penses la même chose que le mec qui a juste envie de se faire un petit peu plus de fric en ne prenant aucun risque. Voilà quoi, pour moi un magasin doit assurer au minimum la marchandise quoi. Et donc assurer au minimum la marchandise, ça veut dire la garantir. S'il fait pas ça, tu évites. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous-même vous avez votre point de vue sur des questions qu'on m'a posées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, surtout lorsque vous trouvez que ma réponse n'est pas assez complète, comme par exemple pour les câbles audio. Voilà, j'admets. Allez, portez-vous bien, longue vie au disque vinyle et à bientôt !